Peace.
Bonjour, Ed le Tractopelle. Tu cherches tes amis? Billy le bulldozer et Charlie la grue sont au coin de la rue, dans le champ de citrouilles. Qu'allez-vous faire de toutes ces citrouilles? Ah, je vois. Vous en avez fait des lanternes et vous allez vous en servir pour décorer le château. Allons-y! C'est l'endroit parfait pour en mettre une. Beau travail! Bonne idée, Charlie. C'est plutôt effrayant juste à l'entrée du château. Waouh! On dirait que celle-là t'a fait peur, Ed. Nous avons presque terminé. Faites attention, les amis. Ne les faites pas tomber du toit. Beau travail d'équipe. Et Charlie a d'autres décorations à décharger. Oh, ces chauves-souris vont être terrifiantes sur les murs du château. Et Charlie ajoute des toiles d'araignées géantes avec des araignées dessus. Bon travail, les amis. Le château est prêt pour Halloween. Waouh, qu'est-ce que c'est? Un fantôme? Courez, les amis, allez-vous-en! Attendez un peu. Ce n'est pas un fantôme, c'est juste Charlie qui nous fait une blague. Toutes les décorations sont en place. Il est temps d'enfiler les costumes et d'aller demander des bonbons. Vos costumes sont superbes. Charlie la momie, Billy l'abeille et Ed le diable. Des bonbons ou un sort? Merci, machine à chewing-gum. Waouh! Des bonbons pour Billy! Et de la glace pour Ed! Joyeux Halloween, les amis! À la prochaine fois! Bye.
Bonjour, Ed. Que fais-tu aujourd'hui? Tu veux construire une montgolfière? Ça a l'air amusant. Commençons par rassembler tous les éléments. Bon travail, Charlie. Ce grand panier est juste à ta taille. Accroche-toi, Billy. Bon travail d'équipe, les amis. Charlie ramasse les grandes pièces et Billy les petites. Et maintenant, on va les assembler. Ces brûleurs vont réchauffer l'air à l'intérieur des ballons et les faire voler. Fais attention, Ed. On a presque terminé. Maintenant, attachez les brûleurs. Et enfin, il ne reste plus qu'à remplir les ballons d'air chaud. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est le moment de voler! Que diriez-vous d'un petit concours? D'abord, voyons qui peut viser le centre de la cible. Attention à ne pas heurter l'un des pylônes. Veillez à les stabiliser, les amis. Waouh ! C'était amusant. Et nous voilà sur la ligne d'arrivée! La première place revient à Billy le bulldozer. La seconde, Ed le tractopelle. Et la troisième place, à Charlie la grue. À bientôt tout le monde!